Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des tutos Mia. Donc aujourd'hui nous allons faire un produit d'entretien ménager pour les éviers, lavabos, plans de travail, les baignoires, toutes les choses comme ça. Donc il va nous falloir 500 ml d'eau, ce qui fait 50 cl d'eau ou un demi-litre hein, comme vous voulez. Ensuite 250 ml de vinaigre, ce qui fait 25 cl. Une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et 20 gouttes d'huile essentielle. Donc moi j'ai pris lavande, mais chacun prend ce qu'il veut. Donc préalablement j'ai fait bouillir mon eau. Donc je prends mon eau. Alors en fait il faut prendre un récipient plus grand que la totalité eau plus vinaigre. Parce que comme je vous ai dit dans une vidéo précédente qui sera donc en description. La réaction chimique entre le vinaigre et le bicarbonate de soude fait mousser, donc après il y a un risque de débordement. Donc du coup, je prends mes 500 ml d'eau que je mets dans ma carafe, ma cuillère à soupe de bicarbonate de soude, une bonne cuillère, voilà. Donc je mélange. Ensuite, je prends donc mes 250 ml ou 35 centilitres, 25 pardon, centilitres de vinaigre. Voilà, que je mets dans ma carafe. Alors, ce sera peut-être mieux avec ça, comme ça on va plus doucement pour que s'il y a vraiment réaction chimique un peu trop forte, qu'on puisse gérer le dosage à la vitesse en fait à laquelle on met le vinaigre. Oups là, ça a failli déborder. Voilà. Donc ensuite, bah, je vais mettre mes 20 gouttes d'huile essentielle. Bien tomber. Enfin, bon, à peu près, hein, quelque chose. Voilà. On remue un tout petit peu, pas trop fort non plus pour que ça ne mousse pas trop. Et ensuite, vous mettez tout ça dans un vaporisateur. Comme ça, le jour où vous avez besoin de votre produit d'entretien, et ben, vous aspergez un petit peu et vous nettoyez avec une éponge. Alors par contre, moi, il m'est arrivé que j'ai d'avoir quelques petites traces blanches sur ma gazinière qui est noire. Mais en fait, c'est le vinaigre en séchant qui peut parfois faire un petit voile blanc. Donc à ce moment-là, bah, vous prenez un chiffon sec et puis vous vous essuyez et la trace blanche disparaît. Voilà, et bien écoutez. Votre petite préparation, la petite préparation est terminée. Donc, à bientôt pour un prochain tuto.